Putain, j'ai eu peur, sa mère. Alors j'en étais où les amis? Alors, la reformulation de la problématique, la reformulation du sujet donné, tenter d'aller sur les... Parce que du coup on est moins tenté d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, ça te semble banal pour toi, mais pour un bébé ça ne l'est pas tant que ça. Le concours s'arrête le 17 novembre. Putain! Ah merde, Yann, pourquoi m'appelles-tu pendant que je tourne une vidéo? Bref. J'étais en train de... Oui, mais je vais le rappeler, c'est pas grave, t'inquiète pas ma chérie, je vais te rappeler. Eh bien, au lieu de faire ça, tu vas lire ton livre. Enfin... On se rend compte que cette personne avec qui on commence à... C'est de la merde. Voilà, tada! Je ne ressemble à rien, c'est horrible, vraiment. Et donc, en deuxième partie de cette... Quoi? Donc, tu peux... Donc, cette expérience t'amène à la question, est-ce que je me connais véritablement? De se laver avec des... je sais plus comment on appelle ça, mince. Des... Enfin bref, en gros, c'est un gant de douche, mais... Oh, merde, comment on appelle ça? Quoi? C'est pas facile de faire une vidéo, mince. Attends. Putain, je sais pas comment m'expliquer. Mais c'est clair dans ma tête, mais putain, c'est genre, moi j'arrive à te souhaiter. Pour commencer, tu... Est-ce qu'on m'entend le plus? Quelle est la bonne distance à prendre pour... Quelle est la bonne distance à prendre pour connaître quelqu'un? Oh, attends, non, ça ne veut rien dire ce que je dis. Si connaître, putain, c'est compliqué en fait. Si connaître quelqu'un. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec cette phrase. Ah oui, mince, je me suis trompée. J'en ai marre. En attendant, voilà, je te fais des gros bisous et j'ai vraiment hâte de te voir. Et j'ai vraiment hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!